Salut les fêlés du gaming, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Let's Play découverte test rétro du jeu Taxi 3 sorti sur PlayStation 2. Donc sorti en 2003, développé par Ubisoft, édité par Ubisoft. C'est un jeu genre course. 10 missions explosives inspirées du scénario du film. Le mode story vous permet de revivre les plus beaux moments du film. C'est ce qui est écrit sur le papier. J'invente rien. On va partir pour la première mission du mode scénario. Alors première mission, c'est parti. Alors je vous rappelle que nous sommes à Marseille en été. En 2003, enfin 2002 du coup. Si on est dans le film, si on est dans le jeu, on est bien en 2003. Y a rien qui vous choque ? Je précise qu'il n'y a pas de Covid à ce moment-là. Moi, je sais pas, Marseille, juillet, août. Bon. Alors, vous allez voir que les missions sont assez répétitives. Vous avez 10 missions. Sur les 10 missions, il y en a les 7 qui sont exactement pareilles. On ferait le même tracé par moment. Le but du jeu est simple. Éviter les voitures qui sont en face de vous. Arriver dans le temps imparti. Et puis c'est tout. Vous aurez une petite variante vers la fin du jeu où il faudra suivre une voiture ou une moto. Bon, déjà les voitures vous les voyez. Mais les motos vous les verrez pas. Faudra que vous restiez dans le vert. Si vous êtes dans le rouge, c'est que vous êtes trop près. Si vous êtes dans le bleu, c'est que vous êtes trop loin. Et la mission sera terminée. Alors vous êtes. Franchement, vous allez vous éclater. La conduite, pour l'époque, ça passe. Par contre, les virages, c'est un petit peu trop arcade, un petit peu trop bourrin. Les voitures, c'est du polystyrène. Voilà. Je vous montre un peu tous les défauts. Et les voitures de police, ben, c'est pas des voitures de police, c'est juste la décoration. Ils font rien de plus. Alors j'aurais eu tendance à dire qu'à la base c'était un jeu d'Avilex, mais non, c'est bien Ubisoft qui a fait ce jeu. Comme quoi à l'époque ils étaient pas si forts que ça. Quand on voit ce qu'ils font maintenant. Et voilà, mission terminée. Mission terminée. Donc regardez bien, hein. Regardez bien les amis. Voilà, vous avez vu une scène du film. Et à chaque niveau, vous allez avoir la chance de voir une scène du film, d'une scène mythique du film de l'époque. Donc, vous avez gagné un nouveau kit amortisseur. Donc, à chaque fin de mission, vous allez remporter des pièces d'équipement pour votre véhicule. Ce qui est totalement débile, puisque vous aurez une voiture parfaite quand le jeu sera terminé. Donc, voilà. J'ai rien d'autre à dire. C'est un jeu très très vide. L'ambiance, les décors, c'est pas fou. On voit pas les acteurs. Bon après je sais pas s'ils avaient les droits ou pas, mais ils ont quand même eu le droit de mettre les images du film. Enfin, je comprends pas. Vous allez voir, on va lancer une deuxième mission. Parce qu'il le faut. Il faut que je vous montre ce jeu. Il faut que vous évitiez de le faire. Sur la miniature, il est écrit excellent. Bouze. J'aurais tendance à dire que c'est une bouse. Parce que bon, des jeux comme ça, à l'époque, ça coûtait quand même cher. Ça faisait quand même un petit peu mal. On était en 2003, on était en plein dans la PS2. C'était. Voilà. Donc, ça fait un peu mal de voir ça. C'est. Ça fait un peu honte au film aussi. On repart. Mission numéro 2, hein, je précise. Alors faites pas attention, hein, le jeu est en anglais, le jeu est en espagnol, pardon, c'est parce que j'ai pas eu la version officielle. Donc là on bloque à 2,30, hein. On a les amortisseurs, on les sent pas forcément. Après c'est un jeu arcade, hein. Je critique pas ce côté-là du jeu. Mais regardez quand même, enfin, à l'époque il y avait quand même des jeux beaucoup plus stylés que ça, hein. Des jeux de voiture beaucoup plus réussis. Il y avait des Gran Turismo, il y avait voilà, il y avait des Need for Speed. Là, il n'y a rien.
Y a rien à ramasser sur la route. C'est quand même taxi, quoi. C'est quand même la voiture de taxi. C'est vide. Le décor. Alors, vous avez une jauge de vie. Je vous l'accorde. Vous avez une jauge de vie. Mais en l'ayant fini, pour l'avoir fini le jeu en à peine 2 heures, hein. Je dis bien à peine 2 heures. Je vais peut-être abîmer 2 fois ma voiture. C'est tout. Et quand vous allez débloquer la nitro, bah vous allez gagner un petit peu de vitesse, mais c'est pas une sensation extraordinaire. Par contre, en mettant la nitro et que vous restez trop longtemps dans le rouge sur la nitro, votre jauge de dégâts va augmenter. Ça c'est pas mal. C'est la seule chose que je lui trouve de beau. Graphiquement, bon, c'est affreux. Il y a pire, il y a mieux, mais pour moi c'est affreux. Regardez-moi ça. Voilà. C'est un truc de dingue ce jeu. Nouveau kit booster type P45, 250 km/h. On passe à 230, on passe à 250. Oh, 20 km/h de plus, c'est pas négligeable. Allez, on s'en fait une petite dernière. Mais franchement, je vous déconseille de faire ce jeu. Ne perdez pas de temps là-dessus. Faites des jeux plus stylés de l'époque. Il y en a plein, il y en a une flopée. Vous serez moins déçus. Je l'ai fait en live, on a bien rigolé, franchement. J'ai hésité à mettre celui-là, K2000. Ah, j'ai fait les deux K2000 et c'était pas ouf non plus. Je ferai une vidéo sur les deux K2000. Parce que je veux pas faire une vidéo sur chaque K2000, ça serait une perte de temps. Mais je ferai une vidéo sur les deux jeux. Vous allez voir, c'est pareil. C'est... Bon, après, c'est Davilex, hein. Ça n'a rien à voir. Donc voilà. Troisième mission. Ah, ça y est, on a débloqué la nitro. Bah, je vais pouvoir vous montrer ça, c'est cool. Voilà. Je sais pas si vous l'avez senti, le G au niveau du thorax, là, mais... Si vous restez trop longtemps dans la nitro, bah, en fait, il augmente votre jauge de dégâts. En gros, vous abîmez le moteur, quoi. Voilà. On va essayer d'arriver à temps, hein. Bon, franchement, rien de compliqué ce jeu. Il y a peut-être une mission ou deux où ça va être un petit peu tendu niveau checkpoint, mais ça vous temporisez la nitro et éviter au maximum les voitures. Et si vous êtes courageux pour faire ce jeu, eh ben vous aurez peut-être. Envie de vomir aussi à la fin. Non, personnellement, je sais pas s'il coûtait 60 € à l'époque ou 50 €, j'en sais rien, mais si c'était le cas, la pilule a dû être très difficile à avaler pour certains. On va regarder une petite scène du film avant de quitter. Et voilà. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo si le cœur vous en dit. Vous abonnez à la chaîne si c'est pas déjà fait, si le contenu vous plaît surtout. Je dis bien si le contenu vous plaît. Quant à moi, je vous dis ciao ciao, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez ciao ciao les fêlés.